Yo et bienvenue dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, citronner ton meilleur pouce bleu. Si t'aimes les histoires d'horreur, tu peux également visiter ma nouvelle chaîne de thread horreur 15 ailes de sueur, le lien dans la description ou en forme vidéo. Et voici 2-3 commentaires pris sur une précédente vidéo à qui j'envoie un drip ou un pixel, donc n'hésite pas à laisser ton meilleur commentaire et c'est y part pour le contenu. Aujourd'hui, du coup, sont sortis les rares et je n'ai pas encore été aller voir un petit peu ce qu'il y avait. Et du coup, bah, on va découvrir ça ensemble. Moi, je sais absolument pas ce qu'il y a. Je me suis absolument pas spoil. Je voulais vraiment découvrir ça en vidéo. Franchement. Allez, c'est parti. Alors, on va dans les nouveaux. Alors, moi, il y a un truc, voilà, parce que bon, je suis allée sur cette page avant d'aller dans la page des thèmes, et j'ai trouvé quand même un truc chelou, c'est que là il est marqué rare 2020, comme c'était le nom du thème, mais quand on va dans les thèmes, il y est pas. Donc bon, en soi je suis un petit peu teubée, juste parce qu'en fait vu que c'était rare, forcément ça va disparaître après, du coup c'est peut-être pour ça que c'est pas affiché dans les thèmes, hein. Mais bon, ça c'est parce que je suis un petit peu teubée, hein. Ok, on va découvrir la première page des rares, c'est pas beau, mais c'est quoi ça? Il y a les Sims 4 qui ont fait une collab avec Star Wars et maintenant c'est MSP, hein, ça marche comment? Alors, on va enlever ça, comme ça ce sera peut-être un peu plus visible. Alors ça je suis déçue, parce que c'est quelque chose qu'on reçoit maintenant dans les cadeaux niveau, ça aussi, ça aussi. Ouais, ok, d'accord. Le collier, il est sympa. Je crois qu'en plus je l'avais pas ce collier là, donc je vais me le prendre. Je vais prendre direct. Comme ça c'est pris. Ça, on l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça et je l'ai déjà en plusieurs exemplaires. Ça, on me l'a envoyé en 40 000 exemplaires. Ça, ok, c'est un rare. Il n'y a pas de souci, c'est un rare. Je crois que j'avais fait une vidéo où je vous avais parlé des pantalons. Il y avait un truc comme ça, mais je crois que c'était pas exactement le même. Bon, on va pas se mentir. Il est pas beau, mais c'est un rare. Et les rares sont souvent pas beaux. Donc, en fait, il y a des rares beaux et des rares pas beaux. Ça fait largement partie des rares qui sont dégueulasses. Et on va aller voir la deuxième page. Pareil, cadeau de niveau, cadeau de niveau, cadeau pas de niveau, mais diamant. Le petit chapeau là, ça fait un peu Michael Jackson ce chapeau, donc c'est, je dirais, le même que la collection de ce short là. D'ailleurs, on va le mettre, on va regarder leur nom, at short trousers. Oui, il me semble que ça fait partie des tout premiers vêtements qu'ils avaient été mis sur MSP, genre les tout premiers. N'existe plus apparemment, peut-être que j'ai des bêtises, mais il semblerait que ce soit ça, parce que j'avais vu une vidéo polonaise là-dessus qui en avait parlé il y a longtemps, et c'était ça. Mais sauf que moi, de souvenir, j'avais vu un pantalon comme celui-ci, comme ce short là, mais en version longue, donc à voir, peut-être qu'il sera plus tard dans les pages, je ne sais pas. Un pantalon là, dommage, il me fait penser à celui-là qui brille mais en plus long. D'accord, donc attendez, on va faire dans l'ordre. Ça, on l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai déjà en plusieurs exemplaires. Le pantalon, c'est vrai que je l'ai pas. Le slip là non plus, je l'ai pas, je vais le prendre. Avec des petits cœurs. Oh mon dieu, mais ce look. Mais ce chapeau, vous savez à qui ça me fait penser? À comment elle s'appelle, la dame qui est dans la mode là, de Fontenay, je crois. Un truc comme ça. Donc ça, je l'ai en 40 000 exemplaires, pareil, donc un petit peu déçu. Bon, là, je l'ai en plusieurs fois, mais c'est sympa, c'est joli, mais ça coûte des diamants. Alors, regardez, vous le mettez en noir, ça passe. En jaune, peut-être moins, parce que ça se verra beaucoup moins, surtout sur ma peau actuelle. Peut-être en argenté, mais ouais, non, en noir, c'est ce qui rend le mieux, et ça va, ça fait pas trop rare, parce qu'en fait, vu que c'est petit, on voit pas que c'est un petit peu contrasté. Voilà, donc pour l'instant, je suis déçue. Mais j'espère que c'est pas fini. J'espère qu'il y a une autre page derrière. Oui, il y a une troisième page. Ah, ça je préfère. Ça je trouve ça sympa. Ça je prends et direct. Ça je prends direct. Je trouve ça bien. J'aime bien. Je vous avouerai que je connais pas trop l'histoire de ces objets-là, de cette robe. Ah, mais je suis pas. Ah oui, je peux pas l'acheter. Donc il faudra que je l'achète avec mon autre compte. Mais ouais, on va dire que je connais pas trop l'histoire de ces vêtements-là. Ça doit être sûrement des très anciens vêtements, parce que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas vu cette tenue. Donc, j'ai peut-être vu sur quelqu'un ou dans les affaires à quelqu'un il y a super longtemps, mais franchement, c'est vrai que c'est rare. Là, pour le coup, ça tient bien son nom, c'est rare parce que je l'ai quasiment jamais vu. Donc, on passe à la suite. Ouais, ça va. Ça, c'est pantalon, ça doit être pareil dans les premiers pantalons, je crois. Mais c'est pas celui-là que j'ai vu.
No Ninja Ear. Ok, non, c'est pas celui-là. Parce qu'il me semble que le pantalon blanc que j'ai vu de la première collection, je vous ai montré, il y avait des sortes de petits boutons noirs sur le côté, enfin, avec le contour noir sur le côté du pantalon, donc c'est pas celui-ci. Et il était blanc, de base présenté de couleur blanche. Nous avons ce petit haut-là avec les petites cicatrices. Ouais, celui-là, c'est vrai que je l'ai pas vu. Bon, on va pas se répéter, mais c'est moche. Donc si, je me suis répétée, c'est bien de le dire. Ça, c'est moche aussi, mais c'est vrai que je l'ai pas vu depuis très longtemps. Et j'ai commencé à m'espérer en 2017, hein, pour ceux qui se posent la question. On a ces chaussures. Alors ça, c'est vachement cool, parce que ces chaussures-là, elles brillent, je prends direct. Bien sûr, je prendrai en différentes couleurs, mais la vidéo serait chiante si je m'amusais à faire mon shopping là, tout de suite en vidéo. Là, on découvre. Mais regardez, ces chaussures-là, prenez-les les gars, franchement, elles brillent et tout, moi j'adore. Mais j'ai quand même envie de tester, juste au moins pour ces chaussures-là, pour voir un petit peu. Et vu que ça brille, j'aime bien. Oh, j'adore avec cette couleur. Mais c'est trop stylax. C'est trop stylax. En noir, ça devrait être... Oh, en noir. Ça fait un peu bizarre, je pense, puisque vu qu'on voit plus certaines étoiles. On va le prendre en noir, ça fait chelou. Peut-être faudrait prendre un noir un peu plus clair, comme ça, ça contraste quand même avec les petites étoiles noires. Voilà, vous voyez comme ça, ça, je pense que ça va mieux. Mais pour le style, pour dire que ça fait un peu bizarre, je l'ai pris quand même en noir. Bref, ça, je l'ai vu déjà plusieurs fois, donc c'est pas si rare que ça. Par contre, un diamant, merci quoi. Et là, pareil, diamant, mais ça, je l'ai déjà plusieurs fois, donc c'est un rare, d'accord, mais il date pas d'il y a si longtemps que ça, la dernière fois qu'on l'a vu. Page numéro 4, on a encore des choses. Attends, je rêve, ou ces trucs de Saint-Valentin qui datent l'un de mes packs préférés, hein, qui maintenant est détrôné parce que maintenant mon pack préféré c'est celui actuellement. Mais il me semble que c'est le pack, la Saint-Valentin, de 2012, 2013 ou 2014, je sais plus. Mais il me semble que c'est vraiment, mais non, ça peut pas être un pack. Si, ça peut être un pack de la Saint-Valentin. Attendez, je vais chercher ça et je vais voir. Et merci beaucoup à toi Balora pour la salutation, merci beaucoup. Ok les amis, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, il s'agit bien d'un rare de pack de la Saint-Valentin. Alors, je connais pas mal ce pack. J'ai vite fait reconnu la robe parce que... parce qu'en fait, il y a la coupe qui est une de mes coupes préférées sur MSP. Et du coup, j'ai reconnu la robe. Alors, du pack, c'est pas la robe qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la coupe. Donc là, vous pouvez voir, elle ressemble à ça, la coupe. Bon là, la qualité, elle est pas ouf de cette image, et celle-là, c'est de l'autre côté, mais je pense que vous voyez duquel je parle. Voilà, il y a cette coupe-là. Et je la trouve magnifique, du coup, j'aurais bien aimé qu'il y ait la coupe. Donc là, je peux pas lâcher, je suis pas VIP, mais vous inquiétez pas, je vais acheter ça sur mon autre compte, c'est obligatoire. Quoique, j'ai un problème, mes deux comptes VIP sont des hommes. Oh non, mais j'y crois pas, non, mais comment je vais faire? Bref, j'aurais bien aimé voir la coupe sur une prochaine page, mais je me fais pas d'illusions. Donc ensuite, on a des boucles d'oreilles bouche, donc c'est la même collection, je suppose, que le collier de tout à l'heure. Donc c'est sympa, pareil, hein, cette bouche collier et ces boucles d'oreilles, je n'ai pas vu depuis, j'ai très rarement vu, donc on peut appeler ça des rares. Il y a aussi ça. Ça, je l'ai en un ou deux exemplaires. Vraiment, je l'avais pas acheté à l'époque où ils ont apparu brièvement dans la boutique, mais j'ai pas eu le temps de les acheter. Et il y a une personne qui m'a envoyé ce pantalon-là, donc j'étais super contente parce que j'aime beaucoup quand il y a des effets comme ça sur les affaires, comme les chaussures de tout à l'heure. Je pense pas que ça vient de la même collection, parce que vu que c'est des boots et c'est un long pantalon, ça va pas bien ensemble. Mais j'adore quand il y a des effets comme ça. Donc je vous conseille fortement d'acheter. Voilà. Alors ça, c'est moche, mais c'est horrible. Mais qu'est-ce que c'est que donc ça? Et c'est donc ça que MSP nous vend sur leur jeu, s'il vous plaît. Qui achète ça? Enfin, moi, je vais l'acheter forcément pour l'avoir. Mais c'est horrible. C'est dégueulasse. Et ça s'appelle comment ce truc? Bigger than Big One. Ça, c'est sûr, ouais. Plus gros que gros, hein. Alors ça, ouais, bof, bon les ballerines, c'est vu, revu, 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 chaque année on a le droit à des ballerines, c'est pas ouf. La coupe là, c'est vrai que je l'ai pas vue, oh non, c'est moche, mais qu'est-ce que c'est moche. C'est horrible. Bon, la coupe là, c'est pareil, vu, revu, là, celle-ci, pareil, c'est vu, revu, on l'a vu déjà plusieurs fois, chaque rare on l'a, c'est bon. Page 5, est-ce qu'il y a une page 5? Oui, il y a une page 5. Donc je ne vois toujours pas ma petite coupe cupide, je croise les doigts, je hurle dans cette vidéo s'il y a cette coupe, s'il y a une sixième page. Mais là je commence à flipper parce qu'en général 5 pages c'est déjà pas mal pour un thème. 6 pages c'est énorme, j'ai rarement vu plus de, je crois, 6 pages, je ne sais même pas si ça existe. Donc la robe frite. La robe frite, on l'a déjà vu il n'y a pas longtemps, mais ça va, ça reste quand même une robe sympathique.
et on l'a eu qu'une seule fois. Enfin, moi, depuis 2017, je l'ai vu seulement une fois revenir dans les rares. Donc ça va, pareil, là, pour ça, bon, c'est pas bon de dire. Ça, pareil, on l'a vu, revu. Pareil, ça, on l'a eu il y a pas si longtemps que ça, c'est pas ouf. Ça, ok, bon, d'accord. Les lunettes, ça va, c'est sympathique. Je me les prendrais bien. Le haut, là, c'est vrai que je l'ai pas vu. Par contre, ouais, le bas, je l'ai eu plein de fois. Par contre, le haut, non. Alors, je sais pas si c'est moi. Mais bref. Et une jupe comme ça, ça, je l'ai. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Est-ce qu'il y a une sixième page? Oui, il y a une sixième page. Alors. Il me semble que ça vient aussi d'un pack, mais je ne suis absolument pas sûre. Ça, par contre, faut vérifier. Je sais pas, ça me dit quelque chose. Je crois dans ma tête, je me visualise l'avoir vu quelque part. Et je vois pas où. Ça, c'est sympa. Bon, la robe là, vue et revue. Les tatouages, on va pas se mentir, j'en ai 40 millions. C'est vu, revu. On l'a eu plein de fois. Ça, pareil, on l'a eu. Non, ça, non. C'est, je confonds avec un autre, je crois. Mais ouais, les tatouages, on va pas se mentir, il y a rien de nouveau dans les tatouages. C'est vraiment, ça revient à chaque rare, ces tatouages-là. C'est pas ouf. Mais bon, ça reste des rares. Et page 7, on a une page 7, les amis. On a une page 7. Donc ça, revu et revu. Hein, on l'a eu plein de fois ces derniers temps. Ça non, donc ça c'est sympa. Ça c'est quoi, un collier? Ça c'est sympathique. Ça par contre, moi j'avoue, je l'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois ça sur Movistar Planet, que ce soit même chez les affaires, chez les gens, je l'ai jamais vu. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment pour un rare, c'est un bon rare. Bon, ça c'est moche, c'est vrai que je l'ai pas vu beaucoup. Ça, je l'ai jamais vu. C'est censé être des ronces, c'est quoi? Ouais, c'est des ronces, c'est du bois quoi, qui te sort de la tête. Pourquoi pas, c'est peut-être ça qui arrive aux gens qui créent des choses sur MSP, les créateurs d'MSP. Il y a peut-être des ronces qui leur sortent de la tête quand on leur demande pourquoi je suis un homme sur MSP et pas une femme, hein, à cause de leur bug, de caca. Ça, c'est beau. Ça, je prends direct. Voilà, c'est pas... Voilà, j'aime bien. Mais ça, pareil, j'ai pas vu non plus. Ou peut-être que j'y ai pas prêté attention chez les affaires des gens. Mais c'est vrai que j'ai jamais revu dans les rares depuis 2017. Donc ça, c'est cool. Ça, ouais, on dirait un petit peu la partie de la collection de la robe qu'on a vue tout à l'heure. Alors là, on a les chaussures là. Ouais, d'accord, c'est sympa. Mais pareil, hein, la robe là, je l'avais vue. Mais ça va, c'est un rare parce que j'ai vu qu'une seule fois revenir depuis 2017. Qu'une seule fois. Et ouais, je me disais bien que cette page, c'est énorme. Je m'attendais pas à voir une 8ème page. Mais je vous mens pas que j'espérais quand même qu'il y ait une 8ème page avec... la coupe du pack Cupide. Je voulais vraiment voir cette coupe parce qu'il y avait la robe. Bon, il y a la robe. Je vais prendre la robe, même si c'est pas ma chose préférée du pack. Mais voilà, je vais quand même vous prévenir que là, de ce que je vois, la robe, info sûre, c'est le rare de pack. C'est le rare de pack de Cupide. Par contre, je sais plus l'année. C'est avant 2017, c'est sûr, 100%, parce que depuis 2017, moi je l'ai jamais vu, donc ça date d'avant 2017. Il me semble que c'est entre 2012, 2013, 2014, 2015, ouais, c'est une large fourchette, mais je crois que c'est dans les années-là, et c'était un pack pour la Saint-Valentin, et moi j'adore la coupe. Donc, je pense que vous l'avez compris, voilà. Bah écoutez, pour cette découverte de pack, non, ça, je suis pas déçue. Alors, pour être honnête avec vous, dès les premières pages, j'étais déçue, j'avais un petit peu peur. Mais il y a pas mal d'éléments bien sympas, donc je vous propose vraiment cette semaine de profiter de ce thème. J'espère que vous avez mis de l'argent de côté, des Star Coins de côté pour ce jour-là. Parce qu'en plus, moi, je vous avais prévenu début août qu'il y aurait des rares. Et depuis, vous avez eu largement le temps d'économiser, les amis, hein, ok? Bon, de toute façon, moi, je vais en acheter plusieurs. Et puis, plus tard, je les donnerai aussi également. Vous me connaissez. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à vous et ciao, ciao.